Bonjour, bienvenue au chemin de vie numéro 3. Chemin de vie numéro 3 pour ce mois de janvier 2021. Que vous réserve donc ce mois de janvier, premier mois de l'année? Voilà, voilà. Donc, on va voir ça. Mais quelle énergie déjà pour débuter ce mois-ci? Voilà. Et puis, je vais tirer 4 cartes. Non, 5, 6, pardon. Ah, je commence à être fatiguée. Donc, 6 lames. La première. La première, c'est avec quoi vous débutez ce mois de janvier pour le chemin de vie numéro 3, le deuxième, vos besoins, votre psychisme, vos amours, en 3, votre job, votre activité, votre foyer, la surprise, et puis vous avez enfin la synthèse, en cette fin de mois, on va dire. Et maintenant, je tire une autre carte pour la fin de mois. Si elle tombe, c'est bien. Si elle ne tombe pas, je la prends. Voilà. Alors, quelle est cette énergie? Ah, c'est l'énergie du mouvement. Vous avez envie de partir en vacances. Partir loin, en tout cas, de par rapport à l'endroit où vous êtes. Hein. Ça m'a l'air plutôt une île ici. Hein. Donc, je vais pas lire le livre, hein, mais bon, c'est assez explicite. C'est plutôt, vous débutez ce mois de janvier 2021 avec cette envie de changer d'air, en tout cas, c'est sûr. Si vous êtes dans le nord, ce sera le sud. Si vous êtes dans le sud, ce sera le nord. Et il y a bien des chances que vous programmiez et que vous partiez, effectivement. Alors peut-être dans un premier temps, là c'est plutôt la planification, parce que vous êtes bien chez vous, hein, vous êtes plutôt heureuse, on va dire, en ce début du mois de janvier, vous voyez les choses plutôt d'une manière positive, parce que c'est assez stable quand même chez vous, hein. Vous êtes bien entouré, vous vous sentez plutôt protégé, vous avez un toit sur la tête en tout cas, et du coup ça vous laisse libre, hein, de planifier pourquoi pas un voyage, un déplacement, etc. Et je parle ici pour le chemin de vie numéro 3. Alors, que se passe-t-il au niveau de votre psyché? De quoi avez-vous besoin? Au niveau personnel, parfois non dit, souvent non dit. Ici, c'est plutôt quelqu'un qui... voyez, ce personnage m'indique que, quoi qu'il en soit, il ne voit pas tout, hein. Oui, il est dans une jolie vibration, oui, il pense à voyager, de préférence à accompagner. Tout ça le met en joie, mais bon, le principe de réalité ici, c'est qu'il y a des choses que vous n'avez pas pris en considération. Il y a comme ça des choses que vous mettez sous le tapis et qui vont en ressurgir, hein, ou qui ressurgissent déjà, et qui va en fait, ces choses vont faire que vous allez perdre un petit peu de votre superbe, de votre sourire, de votre optimisme ici, hein. Ce qui serait dommage d'ailleurs, hein. Pour moi ici, il y a des vérités qui vont être révélées à vous, voyez. Je ne vais pas
dire qu'il y a eu des trahisons, mais il se peut qu'il y ait peut-être un problème familial, il se peut qu'il y ait de l'embrouille quelque part au niveau de vos amitiés, et il se peut aussi qu'un partenaire ne soit pas, enfin, comment dire, soit un peu indélicat vis-à-vis de vous. Tout cela au début de mois, vous ne le savez pas, mais petit à petit, du mois de janvier, vous allez l'apprendre. Et ça, c'est sûr que ça fait jamais plaisir. Au niveau de côté de job ou financier, si vous préférez, on va voir ça après. C'est plutôt une belle énergie. C'est plutôt, vous voyez, vous arrivez à jongler, vous arrivez quand même à débuter des choses. On ne peut pas dire ici que vous êtes quelqu'un qui manque d'argent. Sans aller dire que vous êtes milliardaire, en tout cas, c'est sûr que vous ne manquez pas de sous en ce mois de janvier, ce qui est déjà formidable, je trouve. Et du coup, c'est plutôt équilibré à ce niveau-là. Et ici, les cartes me disent que pour vous arrive ici une surprise. Hein. C'est vraiment une surprise. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un allait venir vers vous. Et assez, ce sera quelqu'un de dynamique, certes, mais moi j'ai comme l'impression quand même que ça va vous porter un peu. Vous allez le recevoir un peu comme presque une gifle, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est un peu comme si vous alliez apprendre quelque chose qui va vous. Waouh! Vous voyez, c'est comme un messager de mauvaise nouvelle en quelque sorte. Hein. On ne peut pas dire que c'est une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire c'est votre perception va être celle-là, une mauvaise nouvelle. Et d'un seul coup, vous vous rendez compte que vous êtes caché peut-être la face, que vous n'avez pas voulu voir ce qui brûlait déjà. Ça va pas être reçu en tout cas par vous de manière positive. Hein. Ça va être tranchant, cinglant. Et ici, vous voyez, du coup, c'est comme une apogée, quelque chose qui est très positif, qui fait. Je me demande si ce n'est pas une affaire familiale. Hein. Mais ici, du coup, ça vous laisse un. Vous voyez, même s'il y a une victoire ici, au mois de janvier pour vous, eh ben, elle ne sera pas totale. Elle aurait dû être totale. Mais du coup, ça ne l'est pas parce qu'il y a justement ce tranchant là qui vient mettre un petit peu de l'eau dans le gaz. Et pour la fin du mois, ici, on parle de vieillesse ici. Donc vieillesse, c'est les choses qui, bah, c'est le passé, c'est les choses qui sont périmées. Ça peut être aussi parce que vous apercevez qu'en fait, bah, vous avez pris de l'âge, ça vous angoisse un petit peu. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être aussi des nouvelles d'un parent. Je ne vous le souhaite pas, hein, mais moi je donne toutes les hypothèses. Hein. Ici, au niveau. Je vais essayer de prendre une lame. Je vais essayer. Non, je vais la prendre. Pourquoi je dis je vais essayer? Je suis en train de la prendre. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui travaille, hein, qui a une activité qui vous permet justement de garder à l'équilibre votre vie, justement. C'est pas, ça tombe pas du ciel, hein, vous travaillez pour. Hein, et où vous avez travaillé pour, si vous êtes en retraite, par exemple. Je mélange. Il n'y a pas ici pour vous de problème d'argent, en ce mois de janvier en tout cas. Alors ensuite au niveau des sentiments,
au niveau des sentiments, au niveau du cœur. Que se passe-t-il? Pourquoi il y a des nuages qui arrivent alors qu'en début de mois, ça va si bien que ça? C'est peut-être au niveau de l'amitié hein, que vous allez vous sentir trahi. C'est possible. Hein. C'est possible que ce soit au niveau des amitiés. Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous êtes amoureux ou amoureuse? Quelle est votre situation au niveau du couple? Ouais, il y a une infidélité. Hein. Pour ce mois de janvier, vous allez avoir une infidélité et il se pourrait bien que ce soit une infidélité de votre partenaire, voire même de vos amis aussi. C'est possible les deux, je ne vous le souhaite pas, mais bon, c'est sorti. Est-ce qu'il y a ici une vie sexuelle épanouie ou pas? Est-ce qu'il y a une vie épanouie au niveau sexuel ou pas? Pour le chemin de vie numéro 3. Non. Non, ici, il n'y a pas une vie épanouie. Attendez-vous à peut-être apprendre que vous avez été trahi. Alors, suivant votre situation, ça peut être partenaire, ça peut être familial, ça peut être amitié, hein, ça peut être même travail, hein, à vous de voir un peu ce qui vous parle. Et puis, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous ce mois-ci. Je vais tirer ici une carte synthèse pour ce mois de janvier. Quoique, attendez, avant d'aller dans la carte synthèse, ouais, je vais quand même, désolé, hein. J'ai tellement de cartes que, vous êtes quelqu'un qui va recevoir, vous allez recevoir cette visite, cette nouvelle, cette réplique, ça va vous briser un peu le cœur parce que vous êtes quelqu'un de bienveillant plutôt, en tout cas vous êtes quelqu'un de avec une âme d'enfant presque, donc vous voyez, donc ça va pas être, voilà, ça va vous faire un peu mal quand même. Je vois pas la grosse souffrance, mais bon, ça va pas être cool pour vous quand même. Ça va pas être cool. Hein. Alors, je cherche ici les épées. Attendez. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah ouais, vous allez avoir le cœur brisé. Hein. Vous allez vous sentir trahi en ce mois de janvier. Vous me direz, hein, vous me ferez des retours, j'en suis désolée. Hein. Mais moi, je vois ici une trahison hein, pour ce mois de janvier. Pour vous, les chemins de vie numéro 3. Après, c'est la carte de la famille heureuse quand même qui sort. Donc... avec certainement un voile qui arrive, ça peut être par rapport à la fratrie, ça peut être par rapport à l'amitié, ça peut aussi vouloir parler d'un enfant. À vous de voir pour cette trahison d'où elle vient, en tout cas vous allez la subir. Mais quand même, et c'est ce que ça va avec cette lame d'ailleurs, vous voyez, c'est la famille heureuse hein, quand même unie hein, qui a un patrimoine hein, qui est pas dépourvu si vous voulez donc ça parlerait plutôt aux personnes qui ont une famille déjà elle est plutôt heureuse même si justement cet événement va assombrir quelque peu
votre bonheur familial. Voilà, j'espère que ce nouveau format pour cette nouvelle année vous convient, qu'il vous parle. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de janvier. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt.